Distillation. 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 Pour réaliser une bonne distillation, il vous faut un formulaire pour les douanes, un alambic composé d'un foyer, d'une cuve, d'un chapiteau, d'un col de cygne, d'un condenseur et d'un tonnelet. Allumez le feu, remplissez le condenseur d'eau froide. La première passe, ajoutez 45 litres de matière première, mélangez à 30 litres d'eau, bien touillez sinon ça colle, ça chauffe, ça boue, la vapeur se concentre dans le chapiteau, passe dans le col de cygne et se condense au contact du froid. On obtient en sortie 10 litres d'alcool à 35 degrés environ. Renouvelez toute l'opération pour obtenir suffisamment d'alcool pour la deuxième passe. La deuxième passe, remettez l'alcool obtenu dans la cuve, ça chauffe, ça boue, ça vaporise et ça se condense. On obtient un premier litre d'alcool à 70 degrés qu'on appelle la tête, hyper toxique mais idéal pour dégraisser la tronçonneuse ou le tracteur. Gardez les 20 litres suivants appelés le corps, ça c'est du bon hein. Le reste qu'on appelle la queue, on laisse, personne n'en veut. Diluez le corps avec 2 litres d'eau de source très pure. On descend à 55 degrés, montez vos bonbons au grenier pour un an d'affinage.